Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 27e journée de la Ligue de BKT. Le HAC s'est incliné de but à 0 face au Pau FC. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti donc pour le court résumé du match, le match qui s'est joué au Nootskamp et c'était la première fois que le Nootskamp accueillait une rencontre de Ligue 2 puisqu'il n'était pas homologué jusqu'au début de la saison et puis il l'a été donc le Pau FC a eu l'honneur de jouer dans son vrai stade face au HAC hier et ça a plutôt bien réussi au Pau FC. Donc voilà, un match pas franchement terrible, terrible à regarder, je me suis un petit peu ennuyé, pas beaucoup d'occasions honnêtement, mais voilà. Pas de réussite en première période, 0-0, le score assez logique. Deuxième période, ben c'est le Pau FC qui réagit mieux, qui ben est pas forcément supérieur au Havre et peut-être même inférieur dans les qualités de jeu. Mais au moins, Pau FC, eux, ben, ils ont des occasions et ça leur réussit. Ils ouvrent le score grâce à Georges à la 60e minute de jeu. Et puis derrière, ben, on sent Hack assez pâteux, pas forcément dans ses jambes. Et bah, du coup, le Pau FC en profite grâce à Bosnard qui arrive à faire le break, donc à la 79e minute de jeu. Le score en restera ainsi. Le Pau FC remporte le match 2 à 0. Et cette victoire pour le Pau FC bah, peut-être les rassurer à un éventuel maintien parce que je vous le rappelle, le Pau FC joue non seulement bah, sa vie en Ligue 2. Mais joue aussi peut-être pour la vie du club, puisque ben, le risque d'une relégation nationale, ben, ce serait un dépôt de bilan pour le club, donc je leur souhaite le meilleur au Pau FC. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, évidemment, je suis déçu. Ça faisait longtemps que le HAC n'avait plus perdu. Et honnêtement, c'est pas la défaite qui me chagrine, c'est ben, l'adversaire, voilà, avec tout le respect que j'ai pour le Pau FC. Perdre contre Pau, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'on perde mardi contre Grenoble, qu'on perde contre des équipes du top 5, c'est plus logique que perdre contre le 19e de Ligue 2. Donc je suis vraiment déçu. Honnêtement, bah voilà, c'est vrai qu'on sait le problème du HAC, c'est offensif. Et ça s'est encore vu, hier soir. On a Jamal Tiare qui est pas là, Khalid Boutaïb est pas là. Ils sont à la ramasse, même Paul Le Guen, je l'ai trouvé à la ramasse hier, c'est pas possible. Tu vois que Jamal Tiare est pas bon, tu vois que Khalid Boutaïb est pas bon à la mi-temps, je sais pas, faut réagir, tu vois que ça va pas marcher, tu fais les changements directs. Et moi, il y a un joueur qui pour moi devrait être titulaire, c'est Hervé Basile, qu'on voit jamais titulaire, on l'a vu rentrer en cours de jeu, mais est-ce qu'il a le temps de s'exprimer? La réponse est non, la réponse est non. Tu le rentres, le mec il a le temps de toucher qu'un seul ballon. Tu crois qu'il va faire un miracle? Non, il faut évidemment qu'il rentre, qu'il puisse installer un jeu. Et malheureusement, on le paye encore une fois ce soir et on risque de le payer encore dans les matchs à venir. On sait que les playoffs c'est encore possible, faut encore y croire. Malheureusement, perdre contre le Pau FC, c'est que on a vraiment des soucis. Maintenant, on sait le hack est capable de battre les grosses équipes et d'être mauvais contre les petites. Honnêtement, l'évolution que le HAC avait dans les matchs précédents, bah, je l'ai pas ressenti hier soir. J'ai senti un HAC assez affaibli. On a le droit de faire des matchs où on n'est pas en forme, mais franchement, contre Pau, on était censé se donner à 200%, gagner ce match, repartir au Havre avec 3 points. Et franchement, ça aurait fait hyper du bien. Malheureusement, bah voilà, je suis déçu. On fait un mauvais match, pas forcément dans la. Enfin, si on peut appeler ça un mauvais match, en fait. Franchement, on était nuls. On était nuls, on n'a pas. En fait, le but du football, c'est quand même d'aller devant, c'est quand même de tenter des occasions. Mais ce qu'il faut savoir du côté du HAC, c'est que dès qu'on tente un centre, le centre, il passe jamais. Le ballon, rare ont été les occasions où rien que le ballon a passé la surface de réparation. C'est pour vous dire quand même le problème offensif qu'a quand même notre équipe CL Marine. Bon, je vais essayer de rester confiant.
J'espère qu'on verra un plus gros hack, un meilleur aussi Paul Le Guen sur ses choix. Une petite remarque sur Ali Bouteille notamment, on ne sait pas trop où il était placé. Même lui, je ne sais même pas s'il savait où il devait se placer. On nous vend ce joueur comme un attaquant, je le connais comme attaquant. Je sais pas, il commence le match milieu droite. L'évolution du match, il est attaquant. Des fois, je le trouve trop derrière. Enfin, bon. À voir aussi si Ralid Boutaïb arrive à prendre ses marques d'ici les prochains matchs à venir. Prochain match du HAC, mardi, le match contre Grenoble. Et puis lundi prochain, le derby face au Stade Malherbe de Caen. Donc, on se retrouve mardi, évidemment. Pour le match de Grenoble, avec j'espère un résultat qui sera plus positif pour les Cils Marines. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a les résultats de cette 27e journée de la Ligue de BKT. Et puis moi, je vous dis à mardi. Bisous les amis et à mardi.